Bon matin à toutes et tous. Eh bien, on se retrouve pour les messages, les conseils de l'oracle du chemin de soi de ce jeudi 10 octobre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Pensée positive pour ce 10 octobre. Maîtrise. Ah, ça, c'est pas facile. La maîtrise de soi est un art difficile, mais c'est la clé. C'est la clé qui permet d'ouvrir la porte de la sérénité. Waouh, waouh, waouh! Beau message positif en tous les cas. Et puis pour aujourd'hui, les conseils de la carte numéro 2. Ne t'enferme pas dans l'ignorance des autres. Ose te montrer, ose vibrer. Ça vous parlera à certains, ça ne parlera pas à d'autres. Soyez bien à l'aise pour prendre ce qui vibre en vous. Et puis, vous, encore une fois, vous avez toujours le libre arbitre de quoi que ce soit de vos décisions, n'est-ce pas? Le conseil côté finance. La seule barrière de votre épanouissement financier n'est que celle que vous mettrez pour ne pas avoir l'air différent des autres. Le temps vous donnera raison si vous savez convenablement l'utiliser. Côté professionnel, le conseil, assumez vos erreurs comme vos réussites. Il n'est donné à personne de pouvoir tout maîtriser. Mais chacun peut se dépasser pour réussir. Vous savez, si vous maintenant assumez vos erreurs, ça c'est déjà la première chose de la réussite. Vous assumez et vous êtes conscient de vos erreurs. Donc ça c'est la première réussite. Vous savez, on ne peut pas tout maîtriser dans la vie. Chacun fait des erreurs. Mais on peut les dépasser et y travailler pour réussir. Nul n'est parfait. Nous avons nos qualités, nos défauts et essayons, n'est-ce pas, eh bien, de rectifier les défauts que nous avons, les erreurs que nous faisons, parce que nous en faisons toutes et tous. Hein. Je ne connais personne qui ne fait pas d'erreur. Personne. Puis on est ici pour expérimenter, hein, encore une fois, vraiment. Hein. Donc, on fait des erreurs. Alors, côté sentimental, le conseil, si votre relation se déséquilibre un peu trop souvent, il est peut-être temps de faire un point sur vous-même. Écouter les conseils de votre entourage, eh bien, pourrait peut-être vous aider. Mais pas que. Écouter vos envies vous fera avancer. Osez être à votre écoute. Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Qu'est-ce que vous voulez? Posez-vous toutes ces questions. Et puis voyez, vous seul savez de la problématique peut-être que vous êtes en train de passer, que vous rencontrez présentement. Donc, voilà, il faut peut-être aussi se remettre en question, n'est-ce pas? Et écouter sa petite voix intérieure et écouter ce qu'on a envie et ce qu'on n'a plus envie. Est-ce qu'on a envie de faire pour se faire plaisir? Est-ce qu'on n'a plus envie de faire pour faire plaisir à l'autre? Et en plus, vous savez, dans un couple, ben, il y a des échanges. Et si les échanges ne sont toujours que d'un côté, c'est difficile, n'est-ce pas? Alors, côté spirituel, vous êtes unique dans vos ressentis et dans votre façon d'évoluer. Osez vous affirmer. Eh bien, c'est accepter les différences.
et professionnel, assumez vos erreurs comme vos réussites. Il n'est donné à personne de pouvoir tout maîtriser, mais chacun peut se dépasser pour réussir. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit, je ne me souviens pas, mais bon, si je ne l'avais pas dit, voilà le conseil de la carte côté professionnel. Voilà, je me pose la question, est-ce que j'ai déjà dit? Je ne vais pas refaire la capsule, mais bon, voilà. Ok, eh bien voilà, c'est terminé pour le conseil de cette carte. Et je termine avec, Ho'oponopono. Et aujourd'hui, j'ai pigé les situations difficiles me permettent de prendre conscience de mes mémoires erronées. Lorsqu'un événement difficile arrive, prenons conscience qu'il provient d'un programme erroné présent en nous, à notre insu, que nous allons maintenant pouvoir effacer. Eh bien oui, que nous allons pouvoir transcender, rectifier. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour le dernier message de la semaine. Et d'ici là, eh bien, je vous embrasse, portez-vous bien et je vous dis à demain.